Little Boy Drop, bonjour. On va commencer bien, on va commencer simple. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quelles sont les origines du groupe? Ah, ça c'est une longue histoire, c'est-à-dire qu'à la base, Little Boy Drop, c'était avec d'autres musiciens qui, à un moment, ont décidé de partir sur d'autres horizons. Il se trouve qu'un de mes amis avait un groupe avec Jim, voilà, qui cherchait à faire quelque chose d'autre. J'avais proposé de rejoindre la formation, et puis Luch nous a rejoint. Votre musique est très 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 énergique. Comment est-ce que vous y prenez pour écrire? Est-ce que vous jammez beaucoup ensemble? Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de jam, hein. Il y a pas mal de morceaux qui se créent parce que l'un d'entre nous arrive avec un riff et tout de suite on essaye de, voilà, de travailler là-dessus et ça arrive quand même fréquemment qu'on passe quoi, une demi-heure sur un riff comme ça qu'on laisse tourner, on joue. Ça peut arriver qu'il y en a un qui arrive avec une idée d'un morceau en tête, presque pratiquement en entier quoi. Et donc après là c'est encore une fois une question de pouvoir structurer un morceau qu'on avait en tête avant de venir en répète en fait. Quelles sont vos influences dans les groupes de stoner? Il y en a beaucoup. Clairement, il y a Caius, Queen of the Stone Age. Il y a beaucoup de gros riffs à la Red Fang ou à la Truck Fighters qui se transforment en Doom à la Uncle Acid. Mais au niveau des influences, c'est assez drôle en fait parce que Corentin et Luciano. On sent que chacun, vous avez des influences assez différentes. En tout cas, votre esprit pour composer les nouveaux morceaux de Little Boy Drop, parce que en fait, c'est vraiment un nouveau son qu'on est en train de créer pour l'instant. Vous êtes quand même sur deux registres assez différents. Et donc, on répète, moi, j'assiste un petit peu à cette rencontre d'un esprit plutôt corentin, donc quelque chose assez efficace, le camion qui roule et c'est tout droit et on y va. Et puis Luciano qui ont plutôt envie de faire des wheelings, ou tiens, si on faisait pas un petit deux roues, un petit sentier par là, et on arrive toujours à trouver une espèce de vieux compromis entre ces deux veines. Vous allez monter sur scène tout à l'heure, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes nerveux? Quand ça commence, quand on lâche le premier accord, il n'y a plus de stress. Je suis juste sur scène, je suis dans mon morceau, jusqu'à la fin du concert. Quand le concert finit, c'est ah, ça y est, c'est fini. Puis deux minutes plus tard, c'est putain, je veux recommencer, je veux remonter sur scène. Et s'il y a un groupe après, c'est encore plus frustrant, on a envie de remonter avec eux et c'est super frustrant, donc on a envie de faire un concert de 3 heures. Mais... Votre musique montre toute l'énergie que vous avez à revendre. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? La première chose, je pense, notre moteur, c'est le concert. C'est de faire des lives. Moi, personnellement, c'est vraiment sur scène que je me sens... C'est une bouffée d'oxygène, c'est génial, c'est libérateur. Après, dans les prochaines étapes, c'est dans 2 semaines, on va rentrer en studio pour enregistrer notre premier EP, enfin premier de qualité dans un bon studio. Donc ça, c'est la prochaine étape et puis commencer de plus en plus à démarcher grâce à ce médium-là, quoi. On a aussi des guests qui vont venir d'ailleurs sur le EP, rajouter des claviers, des choses comme ça qui vont donner de l'ampleur à tout le morceau. Donc on travaille déjà sur des arrangements pour vraiment pouvoir profiter du studio sur des choses qu'on peut pas spécialement se permettre en répète ou en concert. En studio, on va voir plus loin que simplement 3 musicos, quoi, je pense. Ouais. Et pour nous faire entendre le nouveau Little Boy Drop. Oui, c'est ça. Cet album, ça marque vraiment le début de quelque chose de nouveau. Je crois qu'on peut le lire. C'est l'idée du titre du EP, c'est The Long Trail. Parce que l'idée, c'est voilà, le EP, c'est le premier pas sur ce long sentier qui peut amener à quelque chose d'autre, qui peut amener à des concerts, qui peut amener à plein de choses. C'est deux époques différentes. Enfin, oui, c'est ça. Voilà, ce qu'il y a dans le premier EP, c'était vraiment le début de, enfin, le Little Boy Drop d'avant. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, le deuxième EP, c'est vraiment ce qu'il y a, la nouvelle formation, des nouveaux morceaux différents. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'aussi ce concert de ce soir marque vraiment un passage parce qu'on est arrivé à avoir une setlist où on a plus de 50% de la setlist qui sont des nouvelles créations. Donc je pense que voilà, ce concert montre voilà, on est passé à autre chose, on fait plus de nouveaux que des anciens. Il y a toujours les anciens que les fans qu'on a connaissent et qui sont sur le premier EP. Donc les morceaux connus, on les laisse, mais il y a d'autres morceaux en plus. Eh bien très bien, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? On va peut-être faire une tournée de l'Angleterre. Dans le Royaume-Uni, quoi. Donc ce serait pas mal que ça se concrétise. Voilà, ouais. Et puis rien, et puis voir ce que les gens pensent de l'album, du nouveau. Ouais.
Et puis voilà, après on va presser le CD, parce que là au départ on va partir sur une version plutôt digitale et après partir sur une copie matérielle, voire vinyle et des choses comme ça, et donc un petit peu commencer à distribuer là-dessus, et effectivement concert. Ouais. Et l'idée c'est de le sortir cet été. Eh bien, Tobodrop, merci, on attend alors avec impatience le CD cet été. On se revoit sur scène ? Ouais, on se revoit sur scène, allez. Allez, bisous. Il y a beaucoup de gros riffs à la Red Fang ou à la Truck Fighters qui se transforment en Doom à la Uncle Acid. Et aussi, enfin, j'ai envie de dire, les gars là, merde. Les mecs de Bran Bjork. Visitacino ? Non. Caius ? Non. Non. Ouais, ça passe.